walking cause I feel that I'm falling down. Walking cause I don't belong. Sur cet album, on s'est mis à composer ensemble. Il y a les quatre morceaux qui sont le vrai changement de couleur, on les a fait ensemble. Donc je pense qu'il représente qui on est aujourd'hui, vraiment. Parce qu'il y a des couleurs de la Nouvelle-Orléans, il y a des couleurs créoles, il y a du folk, il y a de la soul, enfin, c'est très riche. Ça correspond aux musiques que vous écoutez, sur lesquelles vous entendez d'abord et avant tout? Il y a de ça, ouais. Et puis j'ai l'impression qu'il y a les mêmes points de départ que sur l'album précédent, sauf qu'aujourd'hui, on s'autorisait beaucoup plus de choses dans la manière d'en profiter et de les développer. Déjà, avant, l'utilisation de la voix d'Yael était quand même une utilisation très intimiste. Yael avait besoin d'un enfermement pour chanter, pour s'enregistrer seul, etc. Donc c'était un cocon très chaleureux, mais qui cassait pas les frontières d'un certain relief et pas les frontières de l'intimité, en tout cas. Donc déjà, on a eu cet instrument en plus qui a boosté l'énergie qu'il y a autour et qui a excité toutes les différentes influences qu'on a déjà à la base. Mais quand on écoute She Was a Boy, à l'intérieur, il y a déjà Nouvelle-Orléans, il y a déjà une diversité musicale, sauf qu'elle n'est pas excitée par cette énergie différente. Et puis la maternité a amené aussi le fait de faire tomber le masque, de pas d'avoir moins peur de l'apparence et puis d'aller plus loin dans ce qu'on avait envie de faire et puis faire ce qu'on avait envie de faire sans se dire ça peut faire ça ou ça. Avec beaucoup de fantaisie aussi, puisque vous tournez avec un groupe vocal qui s'appelle les Threesome Sisters, qui apporte un élément de fantaisie, d'originalité importante comme ça dans votre spectacle, comme si ça vous permettait, vous, de vous relaxer un peu plus, de laisser l'accent sur le spectacle avec d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a eu, à la base, c'était vraiment, on avait envie de pousser l'écriture des chœurs encore plus loin. Encore une fois, ça existait déjà dans le premier album et dans le deuxième. Mais cette fois-ci, avec des morceaux comme Coward, voilà, j'avais vraiment envie d'écrire pour des chœurs. Et le fait de les avoir rencontrés juste avant d'avoir commencé à enregistrer l'album, du coup, ça nous a dit, OK, on peut vraiment pousser les choses très loin puisqu'on va tourner ensemble. Et après, c'est vrai que le fait que c'est des caractères forts, qu'ils ont une originalité, un message fort même au niveau de la différence et d'assumer sa différence, mais c'est quelque chose qui nous parle parce qu'on a construit aussi notre vie comme ça. Et c'est le message qu'on avait envie aussi de porter. Donc un peu plus de folie et d'assumer qui on est. On est tous différents et on peut tous créer quelque chose ensemble malgré nos différences. Alors au centre de tout, il y a votre voix, il y a elle évidemment, qui est de plus en plus forte. Vous vous sentez chanteuse différente aujourd'hui, après ces années d'expérience, après les tournées? On a le sentiment que votre voix est encore plus affirmée aujourd'hui. Je sens effectivement comme s'il s'est passé quelque chose. Je pense beaucoup aussi grâce à la maternité, c'est un passage tellement fort que ça change tellement de choses et je pense que je sais pas, il y a quelque chose qui ça, je pense que ça a balayé beaucoup de choses qui étaient là et qui m'empêchaient de m'exprimer ou de faire certaines choses. Donc voilà, il y a peut-être la femme enfant qu'il y avait avant et puis une nouvelle Yael qui est née après, donc il y a certains sentiments qui ont pu se lâcher et puis ça a pu se traduire par la voix aussi. L'histoire se répète, il semblerait, parce que vous avez un nouveau morceau qui a été choisi par un constructeur informatique pour illustrer une campagne de publicité. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment Woke Woke est devenu un nouvel emblème? Écoute, te raconter, c'est toujours assez mystérieux. Tu vois, comme on sait, cette fameuse marque de fruits et légumes, te trouve à un moment... Ils ont des dénicheurs de morceaux à droite, à gauche. Et puis, au bout d'un moment, ils choisissent. Et puis, comme la dernière fois, ils nous ont demandé surtout s'ils pouvaient utiliser notre morceau. Ça avec du ciel, comme c'est arrivé il y a 8 ans, ouais. À peu près. Ça avait eu un fort impact la première fois, avec nous seuls, en 2007. Oui, c'était énorme.
Mais il y avait plusieurs choses. Déjà, je pense que c'était un nouvel objet complètement qui n'existait pas avant. Ils nous ont vachement soutenus. Ils ont mis le morceau en avant, dans iTunes, dans le monde entier. C'était, voilà, on ouvrait iTunes et dans le monde entier, il y avait New Soul qui était là. Et puis après, je pense qu'il y a la magie qui est la réaction des gens qui ont réagi à ça d'une manière très forte et qui se sont appropriés le morceau. Donc voilà, ce qui a fait que c'était qu'en une semaine, on s'est retrouvés numéro un aux États-Unis, avant même avoir fait quoi que ce soit, hein. sans avoir sorti physique de l'album, sans être prêt. Donc ouais, il y avait un impact étonnant, c'était dingue. En attendant, vous serez sur les routes de France et d'Europe tout cet été. Ouais. Bonne route des festivals à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. J'espère te croiser, Jérémy. J'y serai.